La petite princesse aimait l'histoire du soir, mais elle n'aimait pas le noir. « Je veux de la lumière !» dit-elle. « Pourquoi ?» demanda son père. « Parce qu'il y a des fantômes dans le noir, et il y en a sûrement sous mon lit !» répondit la petite princesse. « Ne sois pas sotte, les fantômes n'existent pas, et il n'y a rien sous ton lit !» dit papa. « Ne sois pas sotte, petite princesse, les fantômes n'existent pas. Et s'il y avait des fantômes, le général s'en occuperait, » dit l'amiral. « Ne sois pas sotte, les fantômes n'existent pas. Et s'il y en avait, il faudrait te moucher très fort, » dit le docteur. « Je veux quand même de la lumière, » dit la petite princesse. « Pourquoi ? Tu vois bien, Nounours n'a pas peur du noir, » dit la gouvernante. « J'ai un tout petit peu peur. » Je n'ai pas vraiment peur du noir. J'ai plutôt peur des fantômes, » dit la petite princesse. Ne sois pas sotte, les fantômes n'existent pas. Et s'il y en avait, ils seraient microscopiques, » dit la gouvernante. Tu entends, Nounours ? Les fantômes doivent être microscopiques, » dit la petite princesse. Et il faut faire attention à ne pas les écraser, » dit-elle. Bonne nuit, » dit la gouvernante. Et elle éteignit la lumière. Je parie que les fantômes ont peur du noir aussi, pensa la petite princesse. Ouh ! C'est vraiment un bruit de fantôme ! Cria la petite princesse. Ouh ! C'est vraiment un bruit de petite fille ! Cria le petit fantôme. Alors la petite princesse se cacha sous son lit. Le petit fantôme fit la même chose. « Bouh !» fit la petite princesse. « Bouh !» fit le petit fantôme. Et il repartit en courant, tout en haut du château, là où il vivait. « Maman, maman, j'ai vu une petite fille !» dit le petit fantôme. « Ne sois pas sot, les petites filles n'existent pas !» dit sa mère. « Je veux quand même de la lumière, on ne sait jamais !» dit le petit fantôme.